j'appelle Jérémy Haddad, président des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Maître Eli Korchia, président du consistoire central et qui représente également pour l'occasion Maître Ariel Goldman, le président du FSJU, puisque Maître Ariel Goldman et une très grande délégation du FSJU sont actuellement en Israël sur le terrain. Et vous pouvez les applaudir très très fort, tous ces dirigeants communautaires. Et Joël Mergui, président du consistoire de Paris et d'Île-de-France. Qui depuis le 7 octobre sont mobilisés au quotidien. Samuel Le Joyeux, le président de l'UEJF, que je demande d'applaudir aussi très 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 fort. Robert Sbilly, président du KKL de France. Francis Khalifa, président d'honneur du CRIF. Bonsoir à tous. C'est Samuel qui a la parole. Bonsoir Samuel Le Joyeux, président de l'UEJF. En une minute, j'aimerais vous raconter une histoire. La semaine dernière, à la Sorbonne Nouvelle, l'UEJF organisait une conférence, notamment sur le sort des femmes à la fois en Iran et en Israël le 7 octobre. Une quinzaine d'étudiants n'ont rien trouvé d'autre à faire que de déployer une banderole à l'entrée avec cette phrase « Sionistes hors de nos facs ». Leur volonté est claire. Nous faire taire, nous empêcher de vivre sereinement en tant qu'étudiants juifs dans les universités. Notre réponse est tout aussi claire. Nous refusons de nous taire, nous refusons de perdre nos valeurs et nous continuerons à les faire vivre. Nous continuerons à nous battre pour la libération des otages. Nous continuerons à nous battre pour la liberté d'étudier des étudiants juifs. Nous continuerons à nous battre contre l'antisémitisme. Et dans ce combat, nous avons des alliés. À l'image de ce président d'université qui était à mes côtés pour se battre et qui a même fait intervenir la police. Nous avons dans toutes les universités, des organisations étudiantes non juives, des administrations de toutes parts qui nous aident, qui sont avec nous. Ne cessons pas de créer des alliances, ne nous renfermons pas dans ce moment qui est extrêmement difficile pour nous. Continuons à parler, à débattre, à faire vivre nos valeurs qui sont celles de l'humanisme, de la démocratie. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais juste que ce soir, on ait une pensée. Une pensée parce que vous savez qu'on a ici des éclaireurs israélites en France, mais on a aussi des éclaireurs israélites en Israël. Ces éclaireurs israélites, une fois qu'ils ont 17-18 ans, ils ne peuvent plus animer comme on le fait ici en France, mais ils vont à l'armée. Et depuis le 7 octobre, nous avons eu le tragique malheur d'avoir appris la mort au combat de deux éclaireurs israélites. Dan Vajdenbaum et tout récemment, la semaine dernière, Sivan Veil, qui se sont battus aux côtés de leur unité, probablement pour essayer de faire libérer des otages. Ces deux éclaireurs israélites sont morts au combat, et tous nos jeunes qui ont campé avec eux lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont dû faire face à un deuil alors qu'ils n'ont que 20, 21, 22 ans. Ça, c'est un monde dans lequel nous ne voulons plus vivre. Et nous espérons que tous ces jeunes-là, ils vont apprendre de cela. Ils vont faire en sorte que ce deuil-là ne soit pas perdu et qu'ils se motivent et qu'ils militent ensemble, tous ensemble, en France et en Israël, pour un monde plus apaisé, pour un monde en paix, parce que ce sont d'abord des soldats. Le 7 octobre a été un jour particulier, maintenant on en est à 6 mois. Ce jour-là, le monde s'est effondré. On avait deux solutions, résister ou s'enfoncer. On a décidé de résister. J'ai mené plusieurs délégations dans le sud d'Israël. Toutes ces délégations ont pu constater l'étendue des dégâts. La dernière fois que j'ai été, eh ben c'est la dernière fois. C'est la dernière fois parce qu'on en est ressorti cassé. On a rencontré le porte-parole de l'armée qui nous a dit: vous êtes là, vous avez vu, il y a une chose à faire maintenant, c'est de prendre un verre de vodka et un gâteau. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi parce que les images sont terribles.
terrible, horrible. Tout ce qu'on vous raconte, c'est rien. Toutes les images que vous avez vues, c'est rien. Être sur place, voir ce qui s'est passé ce jour-là, c'est quelque chose de catastrophique. Avoir le récit des gens qui ont été touchés, qui nous ont raconté, ça a été dramatique. Alors, je crois qu'il faut toujours avoir une vision optimiste des choses. Ils ont détruit, nous allons reconstruire. Le site sur lequel s'est passé Nova est un site du KKL. On a décidé de le remettre en place. Berry sera pris en charge par le KKL de France. On va reconstruire. C'est la seule chose qui nous reste à faire. On va reconstruire. Les otages vont rentrer. Cette guerre va être gagnée. Le peuple juif va survivre. Il faut avoir une vision optimiste de l'avenir. Et je l'ai. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et on va reconstruire ce pays. Ce pays était merveilleux. Il sera encore plus beau qu'avant. Le sud d'Israël sera plus beau que ce qu'il était. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Joël Mergui, président du Consistoire de Paris et d'Île-de-France. Mes chers amis, bonsoir. Chers amis sionistes, bonsoir. Je suis juif, je suis français, je suis sioniste et je voudrais que nous soyons toutes et tous fiers de rester et de dire haut et fort que nous sommes sionistes et que nous soutenons l'État d'Israël. C'est parce que nous sommes des démocrates, c'est parce que nous sommes des citoyens d'un pays démocratique que nous avons le devoir d'être sionistes. Je frémis encore quand je revois et que j'entends les images de ceux qui sont rentrés le 7 octobre en jouissant, en criant à l'Akbar, le même cri qu'on a entendu à Toulouse, le même cri qu'on a entendu au Bataclan, le même cri qu'on a entendu dans les rues de Paris, le même cri qu'on a entendu à chaque fois que l'islamisme a voulu s'attaquer à des citoyens. Le combat d'Israël, c'est le combat pour le peuple juif. C'est le combat pour l'État d'Israël, c'est le combat pour l'humanité. Nous avons le devoir, toutes et tous, de le soutenir. Et la parole et l'engagement de tous celles et ceux qui nous accompagnent accusent tous les silencieux qui se sont tus et qui devraient aujourd'hui vite faire de nous rejoindre et de rejoindre la légitimité d'Israël pour sauver le monde. Merci. Mes chers amis, il me revient l'honneur de conclure ces prises de parole pour la communauté juive de France. Et je voudrais vous dire à la fois en mon nom, effectivement au nom du Consistoire de France, mais aussi au nom de mon ami Ariel Goldman, au nom du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français, que nous pouvons être fiers de la communauté juive de France. Aujourd'hui, je vous le dis devant vous ici à Paris, alors qu'au même moment, dans un quart d'heure, démarrera à Strasbourg une grande manifestation dans l'Est de la France et qu'il y a quelques heures, il y avait aussi une manifestation dans le Sud, à Marseille. De tous les endroits de France, nous continuons à dire non seulement qu'Israël doit gagner cette guerre, parce que j'entendais tout à l'heure parler de la guerre de l'opinion, mais la seule guerre qui vaille, c'est la guerre pour la vérité. Parce que dans l'histoire, ce que l'on se souvient, c'est qui avait le droit, qui avait le devoir, qui avait la responsabilité de gagner la guerre, comme les Alliés l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Israël le fera et continue à le faire aujourd'hui contre le terrorisme islamiste. Je vous le dis, parce que nous continuerons à mettre des bâches géantes avec les visages de nos otages qui doivent revenir, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, leur origine, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bédouins, qu'ils soient arabes israéliens, qu'ils soient pakistanais. Ils doivent tous revenir en vie dans leur famille. C'est ça le combat essentiel que mène aussi Israël, en dehors de celui de gagner cette guerre contre le terrorisme du Hamas. Nous continuerons à mettre leur visage comme nous l'avons fait à Strasbourg où j'étais dès le 3 novembre, comme nous l'avons fait, je le dis devant la maire de Levallois, le 14 décembre, comme nous l'avons fait encore la semaine dernière à Versailles. Nous continuerons semaine après semaine à mettre les visages des otages pour qu'ils restent toujours non pas seulement dans les cœurs de tout le monde, mais dans l'esprit de chaque citoyen français. Je terminerai par un mot, chers amis. J'étais avec mon ami Robert Zvili. Le mois dernier, il y a un peu plus d'un mois et demi, nous étions effectivement en Israël. Nous avons vu ces témoignages terribles
et nous retournerons, si Dieu veut, en Israël dans quelques semaines pour accompagner la population israélienne au plus près, au plus proche. C'est ce que fait le Fonds social. Et je veux le dire alors que mon ami Ariel Goldman vient d'arriver pour un séjour en Israël. C'est ce que fait le Fonds social juif unifié à travers toute la tzedaka qu'il est en train de mettre en Israël pour permettre aux familles endeuillées, pour permettre aux malades, pour permettre à toutes celles et ceux qui en ont besoin de pouvoir vivre leur avenir avec un petit peu plus de facilité, sans oublier les 250 000 déplacés qui sont réfugiés en Israël dans leur propre pays et à qui on doit penser très fort en ce moment. Bravo. Je terminerai seulement aussi en disant à tous mes amis, celles et ceux des collectifs qui sont là au quotidien et qui n'ont pas nécessairement pris la parole ce soir, je veux les dire pour celles et ceux qui seront sur la scène tout à l'heure, que je continuerai au nom du Consistoire de France d'être à leur côté toutes les semaines, tous les jours, comme nous le serons encore cette semaine. Je continuerai à être à leur côté parce que la communauté juive de France sera toujours là pour défendre les otages, pour demander leur libération et pour rappeler que la guerre que mène Israël, encore une fois, est une guerre pour la civilisation qui est la nôtre. Alors je terminerai par un mot. Je vous demande de le dire le plus fortement, le plus fort pour qu'on nous entende au plus loin sur cette place du Trocadéro. Et nous le dirons trois fois. Am Israël Chai! 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 Bonjour à tous, je suis très émue d'être ici aujourd'hui. Je vais être plus courte parce qu'apparemment la pluie arrive et va arriver un peu plus tard. Je suis de la famille Goldstein-Almog, une famille qui a été très lourdement touchée le 7 octobre dernier, puisque deux de mes cousins sont morts devant le reste de leur famille, le papa et la grande sœur de 20 ans, et que quatre autres, la maman et les trois enfants de 9, 11 et 17 ans, ont été captifs à Gaza pendant 51 jours. Ils ont heureusement été libérés le 26 novembre dernier. Ils vivent comme ils peuvent, mais je voulais juste vous lire quelques mots que ma cousine Agam Goldstein, a dit il y a quelques jours sur la place des otages à Tel Aviv. Elle a cité Qohelet, l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, Evel Avalim, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Le perpétuel recommencement des choses. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se hâte de retourner à sa demeure d'où il se lève à nouveau. Le vent souffle vers le sud, il tourne vers le nord, il continue à tourbillonner et il revient sur ses pas. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil n'est jamais rassasié de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. J'ai été libérée, mais je suis toujours là aujourd'hui devant vous. J'ai partagé certaines des horreurs que j'ai vécues là-bas, que les autres hommes et femmes ont vécues et vivent encore, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les familles voyagent dans le monde entier, serrant dans leurs bras les photos de leurs proches, témoignent dans toutes sortes de conférences, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'envoie de la force aux familles qui souffrent, à celles qui sont si malheureuses et qui font tout pour qu'ils reviennent. Et à ceux d'entre vous qui sont encore là-bas, je vous envoie toute ma force pour simplement survivre une autre journée, pour simplement surmonter une autre minute. Bonjour à tous, juste quelques mots. Au nom de tous les miens, au nom de tous les vôtres, car vous avez fait vôtre les miens, vous avez fait vôtre chacun des otages et chacune des victimes de ce 7 octobre funeste où Dieu a détourné son regard du peuple juif. Je vous remercie au nom de toute ma famille, la famille d'Anne Calderon, dont vous avez entendu sûrement parler et qui a connu toutes les formes de souffrance que nous a infligées ce jour. D'abord, la prise d'otage, puis la nouvelle du décès de Carmela, ma cousine Germaine, 80 ans, et de sa petite fille, Noya, 12 ans, assassinés et brûlés dans leur abri. Et puis, la captivité pendant 52 jours de Sahar, 16 ans, qui a vécu chaque heure dans la crainte d'être violé, et de son petit frère, Erez, 12 ans. Libéré? Non, pas libéré. Je vous engage à ne plus employer ce terme. Ce sont des rescapés.
comme les rescapés de la Shoah. Car ce jour funeste, ce pogrom, ça a été pour nous tous comme un bégaiement de la Shoah. Alors, encore une fois, je vous remercie pour votre solidarité, votre combativité, votre présence de tous les instants à nos côtés. Merci à vous tous. Et beaucoup de gens ont pris la parole. Alors moi, je veux vous donner la parole à vous, tous ces anonymes qui sont à nos côtés et qui nous réconfortent et qui nous aident et qui se battent pour nous, pour eux. Je veux vous donner la parole en citant 7 noms. Vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce chiffre, bien sûr. Nous allons commencer par 4. Nous allons répéter après moi tous ensemble. Kfir, Ariel, Chiri, Yarden, Bibas, Libérez-les. Et puis les 3 Français qu'il nous reste. Ohad, Yalomi, libérez-le. Ofer Calderon, libérez-le. Orion Hernandez Badou, libérez-le. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour Elnet Agir Ensemble. Sandra Ifra Kramer pour Women United for Peace. Jordana Usan pour Courir pour les otages. Maître Déborah Journeau pour Action Avocat. Maour Chiche pour Collectif 7 octobre. Grégory Ada pour Home. Maya Termination pour Génération Gamzon. Galit Ishberg pour le Forum des Familles. Et Karl Levy et Tali pour Migdal et Israël is Forever. Et je crois qu'on peut faire démarrer la musique à la régie. Et je crois qu'on peut les applaudir très très fort. On va terminer dans quelques instants sur cette musique. Les dayamim yafim me'ele, alev nilham ba de'agot. Calderon, 53 ans, qui habitait aussi le kibbutz de Nir Oz à l'ouest d'Israël, attaqué par le Hamas le 7 octobre. Il est menuisier, il est père de 4 enfants. C'est un franco-israélien qui se trouvait ce jour-là dans sa maison avec son fils Erez et sa fille Sahar, qui ont été libérés aussi les deux fin novembre. Et enfin, Orion Hernandez Radou, il a 32 ans. Il est le plus jeune des 3 otages français, toujours aux mains du Hamas. Il faisait la fête au festival de Nova, dont de nombreux participants ont été tués ou kidnappés lors de l'attaque. Ce franco-mexicain, père d'une enfant, s'était rendu à cet événement en compagnie de son ami Shani Luke, assassiné lors de l'attentat. Pour eux, avec tous les élus, nous allons chanter la Marseillaise. Merci à tous d'avoir été présents et à très vite pour la libération des otages. Nous ferons une grande fête. Merci. Alors, en tant qu'une femme iranienne, je suis un membre de l'association Femmes Azadi. Et voilà, on est iranien, on est toujours, on soutient toujours les Israéliens parce qu'on sait bien que le gouvernement islamique, qui est le chef de terrorisme au monde entier, qui vend les armées au Hamas, au Liban, en Syrie, à Yémen, du coup, il faut couper la tête de serpent. Ça veut dire l'État islamiste en Iran. Et on soutient
on est contre le terrorisme, n'importe quel point, quel coin du monde. Le harcèlement, harcèlement en Iran, moi je suis contre l'État islamiste qui est toujours au chef, qui est toujours gouverne en Iran. Du coup, on soutient le peuple israélien parce qu'on sait bien que c'est l'État islamiste en Iran qui est la tête de serpent de terrorisme du monde entier, qui vante les armées au Hamas, au Liban, en Syrie, au Yémen. Du coup, on combat toujours tous ensemble avec les Israéliens, avec tout le peuple qui est opprimé au monde entier contre le terrorisme, contre le radicalisme. Femme, vie, liberté. Oui, bonjour, merci de me permettre de prendre la parole. Je suis français à Paris et je suis cousin de Ofer Calderon, qui est un des trois otages français qui a été enlevé à Nyrose. Dans ma famille était très touchée. Ma cousine Carmela, 80 ans, a été assassinée, brûlée le 7 octobre. Sa petite fille Noya, 12 ans, a été elle aussi assassinée, brûlée le 7 octobre. On les a retrouvées, nous a-t-on dit récemment, toutes les deux enlacées dans leur abri. Et deux enfants, les enfants d'Ofer Calderon, qui lui est toujours otage, RS, 12 ans, un garçon, et Sahar, 16 ans, une jeune fille, ont été enlevés. Sont restés donc 52 jours, 52 nuits enfermés dans un tunnel, affamés, ne pouvant pas parler, avec des terroristes autour d'eux en permanence. Et comme ça a été dit tout à l'heure par un de mes cousins qui a pris la parole au Trocadéro, ils n'ont pas vraiment été libérés en fait. Et restent aujourd'hui, quand ils voient une porte fermée, ils pensent qu'il y a derrière un terroriste. Il faut lui ouvrir pour qu'il la traverse. Et Sahar, 16 ans, la jeune fille, dit que son corps est en Israël, son âme et sa tête sont à Gaza, qu'elle a subi 52 jours avec un terroriste qui l'a regardée tout le temps et qu'elle a craint de se faire violer et qu'elle attend le retour de son père. Et quand ils sont rentrés, ils ont découvert que Nyrose, leur kibbutz, avait brûlé, n'existait plus. Et que leur grand-mère et leur cousine étaient mortes. Donc voilà, je voulais en dire un mot, témoigner de ce qui s'est passé, parce que le 7 octobre, c'est ça. Comment nous l'avons appris? Comme tout le monde d'abord, petit à petit, ce samedi, avec les infos, on a vu que ça montait. On a d'abord cru que c'était une attaque de roquettes, et puis une infiltration terroriste, et puis on voyait le bilan monter, 10, 50, 100 morts. Ça paraissait incroyable, un bilan jamais vu en Israël. Et on a un WhatsApp familial, un WhatsApp pour les Français avec un cousin israélien francophone qui lui donnait des nouvelles, parce que très vite, évidemment, on a compris qu'il se passait quelque chose à Nyrose. Jusqu'à 17h, on n'a pas compris la gravité. Et à 17 et 18 heures, il nous a dit « on n'a plus de nouvelles de Carmela et de Noya ». Et vers 18h, 19h, il envoie un message assez incroyable. Pour nous, on a dû l'écouter deux fois, trois fois pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et il nous dit « on a une bonne nouvelle, on a vu une vidéo de Erez emportée à Gaza. On a vu une vidéo de Erez, 12 ans, emportée à Gaza. Et il fallait comprendre que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas mort. Et c'est là qu'on a compris l'horreur. Et que petit à petit, on a appris, comme tout le monde, l'horreur, les massacres, ce qui sont passés le 7 octobre à Nyrose, enfin partout autour de Gaza. » Réellement d'incompréhension, de sidération. Ça paraît incroyable. Israël est un pays dont on dit que la sécurité est certes en danger, puisque entouré de voisins qui ne reconnaissent pas son existence, pour certains. Mais d'abord de l'incompréhension, la sidération. Et puis quand on a commencé à voir ou entrevoir, parce que j'ai pas voulu les voir, les images que les terroristes fiers avaient filmées eux-mêmes, parfois avec les téléphones des victimes, les ont envoyées aux familles. Quand on a commencé à voir ça, parce que ça a été ça, hein. Des familles ont reçu des vidéos de leurs propres enfants, frères, sœurs, parents, massacrés, violés, découpés, avec les téléphones des victimes. Et sur les réseaux sociaux, les terroristes du Hamas étaient tout fiers de les mettre un peu partout. Même involontairement, on en a vu et on a entendu, donc oui, la colère. Et puis surtout de se dire, comme toujours chez les Juifs, de ne pas perdre espoir. Mais vraiment, ça nous a d'abord paru complètement invraisemblable, à la fois cette violence, cette haine, et puis l'incroyable capacité qu'ont eu les terroristes à entrer si facilement et si longtemps, des heures entières en Israël.
C'est assez sidérant parce que là, c'est les terroristes eux-mêmes qui les ont diffusés. Donc, il y a toujours cette volonté pour certains, alors on va dire en général des complotistes. Et s'agissant d'Israël, c'est toujours de ne pas voir la réalité, notamment les juifs, et peut-être dans une espèce de wokisme, de dire bah, certains, de toute façon, sont nécessairement innocents et dominés, et les autres sont nécessairement coupables et dominants, et on ne peut pas admettre ce qu'ils ont fait. J'étais le 25 novembre avec ma femme et mes enfants à la manifestation, c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On y est allé avec un groupe de 400 personnes, notamment des jeunes femmes juives, qui voulaient rappeler que les associations féministes, en aucun cas, à aucun moment, avaient condamné des viols, des femmes enceintes éventrées, et j'insiste sur notamment des viols et plus des assassinats, considérant peut-être que comme c'était des Palestiniens, c'était pas grave, ou comme c'était des Israéliennes, c'était pas grave, ou des Juives. Et ça, pour nous, c'est particulièrement insupportable. Je suis Didier Yadi, je suis franco-iranien, d'origine iranienne, et donc mon métier c'est, je suis professeur à l'université à Paris. Et je suis là aujourd'hui parce que les Iraniens sont solidaires avec les Juifs, car on pense que le Hamas c'est un allié du régime islamiste iranien là. Nous avons le même ennemi, et que par conséquent, dans cette lutte contre l'islamisme politique, contre le régime iranien, mais également Hamas, eh bien, nous avons la même situation et que notre lutte est une lutte partagée. L'attaque de Hamas contre les civils israéliens a été effectivement une tragédie, bien évidemment, une trahison, bien évidemment, et ça rappelle le crime du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que par conséquent, moi, je pense que malgré toutes les critiques qu'on peut y avoir vis-à-vis du gouvernement de M. Netanyahou, mais à ne pas confondre qu'effectivement, on reste solidaire avec les Juifs parce que, effectivement, les Juifs ont été victimes de cette agression effectivement barbare et que donc nous, en tant qu'Iraniens, bien évidemment, on a montré la grosse partie des Iraniens systématiquement depuis que cette guerre continue, les Iraniens ont montré leur sympathie vis-à-vis des Juifs et contre le régime et contre le Hamas. Et ils l'ont dit en Iran et ils l'ont dit également à l'étranger. Et donc, ça, c'est un événement très, très important et d'ailleurs nouveau, et que par conséquent, le régime iranien a été isolé complètement car il était l'allié du Hamas, et tandis que nous, nous sommes des gens démocrates, les gens pour la démocratie, pour la solidarité du peuple et l'humanité, et que par conséquent, les ennemis de l'humanité, tels que le régime islamiste et Hamas, il faut les combattre jusqu'au bout. Écoutez, une partie, par exemple, de la gauche française, là, c'est parce qu'en fait, ces personnes-là, ils sont dans une déviation idéologique, à mon avis, là. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on ne peut pas défendre un courant tel que le courant islamiste Hamas, car c'est un courant effectivement raciste, et que même vous avez le droit d'être également, par exemple moi, je suis pour qu'il y ait deux États, selon la résolution des Nations Unies là, et que par conséquent, aujourd'hui, la réalité c'est que les dirigeants palestiniens, ou bien ce sont des terroristes, ou bien ce sont des gens corrompus malheureusement, et que par conséquent, de l'autre côté, bien évidemment, il y a un État israélien, et c'est un État légitime, c'est un État de démocratie, malgré toutes les critiques, mais côté palestinien, bien évidemment, on n'est pas dans la même situation. Mais la gauche française, une partie de la gauche française, si vous voulez, là, qui sont en fait à la fois islamophiles et également communautaristes dans leur démarche, et qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'effectivement, que la lutte contre l'intégrisme religieux islamique, c'est une nécessité absolue. Et donc ces gens-là, en fait, dans l'erreur fondamentale, ils vont conclure comme quoi, eh bien, c'est pas la peine de défendre effectivement les Juifs, ou effectivement, ils vont apporter leur soutien vis-à-vis des terroristes tels que Hamas, et ils ne condamnent pas d'une manière franche et d'une manière claire. Et certainement, il y a des gens en France qui ont défendu la République islamique en Iran, bien évidemment. Mais aujourd'hui, selon les sondages, 82% des Iraniens sont contre la République islamique en Iran, cher monsieur là. Hein? Seulement 10 à 15% qui disent qu'on est pour
le maintien de la République islamique. Et que par conséquent, l'islam et l'islam politique est rejeté par les Iraniens, si vous voulez là. C'est terminé, l'islam politique, c'est mort en Iran. Et donc, ça ne représente plus aucun modèle. Et que par conséquent, en Iran, il y a une petite minorité qui défend le régime islamiste, mais à l'étranger, dans d'autres pays également, il y a toute une minorité qui est soutenue financièrement par le régime islamiste ou qui éventuellement sont inféodés idéologiquement puisqu'ils sont effectivement communautaristes, donc ils défendent également le régime islamiste en Iran là. Mais aujourd'hui, ils n'osent pas le faire ouvertement, hein, parce que ce régime-là a été démasqué, ce régime islamiste en Iran a été démasqué, et que d'une manière timide parfois ou indirect, et bien évidemment ils le font, mais néanmoins l'humanité entière a compris qu'effectivement le régime islamique en Iran, c'est un régime effectivement de barbarie, rien d'autre que de renverser ce régime barbare.